Aujourd'hui, c'est mon premier jour dans la classe de CE2. Donc, mon prénom à moi, c'est Capucine. C'est comme les petites fleurs dans la forêt, tout ça. C'est hyper mignon. Et pour le moment, je suis fille unique. Mais ma maman, elle a un bébé dans son ventre. Et bientôt, elle va revenir avec à la maison. Comme ça, moi, je pourrai le tuer, le tuer, le tuer. Une fois, l'année dernière, dans mon ancienne école, la maîtresse a dit « Taisez-vous, taisez-vous !» Et moi, les enfants qui se taisaient pas, du coup, je les ai attrapés et je leur ai agrafé leur bouche, comme ça. Et comme ils bougeaient beaucoup, du coup, moi, j'ai pas agrafé droit. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont renvoyée. Moi, j'aime bien les fleurs, les papillons, les coloriages, les paillettes, la guerre, les abats. Et j'aime bien un truc aussi, c'est les petits animaux tout mignons, parce que moi, je leur fais des câlins et je les serre tout contre moi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus le moindre petit souffle de vie dans leur petit corps. Arrête de garder ma culotte. Ma maman, elle est comptable et mon papa, il est alcoolique. Moi, plus tard, j'aimerais bien être alcoolique parce que comptable, ça a l'air vraiment trop chiant. Et sinon, si j'arrive pas à devenir alcoolique, j'aimerais bien travailler avec les animaux, par exemple dans les abattoirs ou les charcuteries. J'ai pas encore choisi. Une fois, j'écris un poème sur mon papa et ma maman et je vais vous le réciter. Maman. Je te trouve très belle, encore plus belle qu'une hirondelle. J'aime la journée quand tu rougis, quand papa te flatte, et surtout la nuit quand tu lui dis « défonce-moi la chatte ». Mais c'est pas fini! Une fois, je suis tombée par hasard en fouillant sur ce que tu appelles ton jardin secret. C'était rangé dans une boîte avec écrit « Godemiché ». Je les ai tout de suite insérés dans Pépette, notre basset, qui après s'est écrié. S'est mise à vibrer et à trembler. J'aurais peut-être dû vous le dire avant la fin du mois de mai, mais c'était trop drôle de la voir se faire piquer. Maurice Carême. Comme maintenant, c'est un poème sur mon papa. Papa, je te trouve très beau, surtout quand tu rentres du bistrot et que tu veux boire l'apéro. J'adore ton odeur, tu sens à la fois l'anis, la sueur et le vomi. Et même si maman raconte à tout le monde que tu bandes mou, tu seras toujours pour moi le plus doux des papous. Maurice Carême. Mon amoureux à moi. Il est plus grand que moi. Il est dans la classe du dessus. C'est Monsieur Mouzin, le professeur de CM1. Il me donne toujours plein de petits bonbons pour que je raconte pas aux gens qu'il me fait des attouchements dans ma zézette. En fait, il m'a jamais touché, mais c'est trop drôle de lui mettre la pression. À l'école, des fois, je voudrais dire que les autres enfants, eh ben, ils me trouvent bizarre. Mais c'est pas vraiment de ma faute, c'est parce qu'en fait, mon papa et ma maman, ils me font jamais de câlins ni de bisous. Et des fois, ils me tapent. Mais moi, je les aime quand même, parce que c'est quand même mes parents. Voilà ce que je vais dire à l'assistante sociale si j'ai pas ma nouvelle Barbie! Merci, les applaudissements pour Constance. Merci à elle. Maintenant, je voudrais qu'on reçoive les deux présidents des deux associations, des deux organisations qui ont créé cette soirée.